Et vous vous appelez comment? Vous êtes de Moi, quelle je origine? m'appelle Elage et je suis du Sénégal. Quoi vous êtes pour? En fait, déjà, je suis musulman et donc, des fois, quand on prie, on est obligé de prier sur la rue. Donc, déjà, nous, ça ne nous va pas. Et puis, pour les autres aussi, c'est un dérangement. Pour les gens qui passent et pour les populations riveraines aussi. Donc, c'est pas agréable de voir des gens, des centaines de personnes dans la rue, quoi. Et donc, je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir une plus grande mosquée. Donc, ça va permettre aux musulmans de pratiquer leur culte tranquillement. Et puis, ça ne dérangera pas les populations aussi. Moi personnellement, je trouve que bon, tout le monde est gagnant quoi. Parce que déjà, on ne peut pas. Parce que peut-être c'est dans un cadre d'islamisme, de terrorisme, tu vois, les gars ils associent un peu le truc. Alors que c'est pas là. Moi personnellement, je suis musulman. Bon, peut-être que ça se voit pas, tu vois. Et bon, je ne vais pas tous les jours à la mosquée, je vais de temps en temps. Et donc quand je vais, j'ai besoin d'abord pour mon confort personnel de pouvoir faire mon truc tranquillement, d'être dans un endroit qui est fermé, tranquille. Et aussi pour les populations, pour ne pas déranger les gens aussi, de ne pas être dehors, de balayer la rue, des trucs comme ça, quoi, tu vois? Donc bon, moi je vois pas les raisons qui peuvent être avancées. Peut-être que bon, c'est dans un cadre, tu vois, le truc contre l'islamisme, contre... Il y a certains qui se disent que l'islam va envahir la France, des trucs comme ça. Bon, c'est normal, bon. Ils se sentent menacés parce que bon, je sais pas pour quelle raison, mais bon, après... Moi je trouve que c'est pas une très bonne raison, quoi. Je trouve qu'on doit permettre à tout le monde de pouvoir faire son culte tranquille. Bon. Après, bon, ça va quoi. Parce que tout le monde aura une paix sociale et puis ça va quoi. Et pourquoi c'est bien Ben, ça d'avoir... nous met dans le droit chemin. Et la polémique autour de la construction de la mosquée... Ça va prendre du temps. Ils n'ont pas assez de moyens. Qui ça? Ben, ceux qui construisent. Et vous êtes musulman Ouais. pratiquant? Ouais. Donc vous allez vous en servir et le centre culturel. Bon, je n'aime pas trop. Non. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et vous pensez qu'il y a une tension à propos de la présence de l'islam dans le quartier ou pas trop ou Si, c'est un peu avec les flics. Tout le temps des problèmes avec les flics. et vous avez des amis qui a eu des problèmes avec les polices Tout ou le temps, on a des problèmes. Tout le temps, on a des problèmes. On mange des contrôles pour rien. Gratuit, comme ça. et vous avez comment? Hein? Vous appelez comment? Jamel. Jamel. Et vous êtes d'origine? Algérien.
Et vous vous appelez comment? Comment? Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Amroun Reda. Amroun Reda? Ouais, moi aussi, je suis algérien. Ils ont commencé en 2006, en octobre. Vers octobre 2006, ils ont commencé à faire. C'est l'entreprise GTM. Il est tout en béton, toute la carcasse est en béton. Et ils ont fini en 2007, vers avril. Et après, depuis, ils ont mis les fenêtres et les. Les fenêtres, oui, c'est seulement les fenêtres. Maintenant, ils sont en train de faire la plomberie, l'électricité, l'aération. Ça avance peu, mais c'est bon. On espère finir fin cette année ou l'année prochaine. À la base, c'est un architecte égyptien qui a fait, j'oublie son nom, mais ici, on travaille avec un architecte français. C'est lui qui s'occupe après de tout ce qu'il y a, travaux d'après. Continue. Et l'État paye une partie de la construction de la mosquée aussi? Non, l'État ne paye rien. C'est seulement les collectes des musulmans qui habitent Toulouse ou ici. Seulement ça. C'est pour ça qu'on a besoin beaucoup de fonds et ça manque. Et j'ai vu aussi que c'est un centre culturel. Oui, c'est pas seulement une mosquée, c'est un centre culturel. Il y aura une bibliothèque, une salle de conférence, il y aura des salles pour faire une école pour les enfants, pour apprendre l'arabe et tout. Ce sera une école agréée, quoi. Okay. Ouais, c'est prévu pour toute Toulouse. Parce que déjà à Toulouse, il n'y a pas une vraie mosquée, quoi. Il y a des locaux qui étaient un château ou un local pour autre chose. Qu'on a transformé pour une mosquée, pour faire la prière. Mais ça, il est à la base construit pour être une mosquée.